C'est la rentrée de la factory, voilà. On est tous là pour compter. Et compter, voilà. Et un peu dans l'espace. Ça va chauffer, ma soeur. Ça va chauffer, là. Que Dieu m'en soit témoin, que Dieu m'en soit témoin, ça va chauffer la factory, hein. Chercher l'entrée, je n'ai pas trouvé. J'ai fait trois ports en arrière, j'ai vu l'entrée du bar. Je suis arrivé, j'ai croisé le barman. Je savais pas quoi lui dire. Il m'a dit, vous êtes là pour les auditions? Je suis là pour les auditions. Il m'a dit, c'est en bas. Je suis descendu en bas. Je pensais voir deux, trois personnes. Vous étiez au moins 20. Alors, j'ai eu la chance de jouer à Casablanca, à Genève, à Lyon, dans le sud, à Montpellier, au Liban. C'est pas que ta voix est toute obligée Voilà, je tourne un peu. Quand je trouve un plan, on m'appelle. Et c'est quoi, c'est des reprises? Oui, c'est des reprises. Ça dépend des formules avec lesquelles je joue. Ça dépend de la. Maintenant, c'est très souvent d'autres gospel. Ouais, toi, tu fais Marvin Gaye, tu fais James Brown, D'Angelo, Ray Charles. Écoute, j'essaye, ouais, je fais. Et t'as des techniques de ouf là. T'as trouvé ça où? T'as trouvé ça comment? Ça t'a coûté combien? Dis-nous, on peut se procurer tout ça. Ça m'a coûté 50€ par mois à la factory. On t'a tout appris quoi. Exactement, voilà. Voilà, si t'as vu, on a tout appris à Mike Louvi là quand même. Incroyable. Donc je recommande. N'importe quoi. Fortement. Qu'est-ce que tu vas faire à la factory toi cette saison là? Qu'est-ce que tu nous prépares? Je serai développeur. Soul Power. C'est quoi le Soul Power? C'est un groupe, un atelier dans lequel on essaiera de développer le côté soul, R&B, hip hop. Chez les factoristes, cet aspect-là, on travaillera sur le son, l'addition, l'émotion, l'esprit de la voix. Et voilà. Ok. Et j'ai entendu qu'il allait y avoir un pôle pro finalement. C'est bien parce qu'il y a plein de gens qui s'inscrivent, donc voilà. J'ai vraiment envie cette année de chanter un peu à nouveau. J'avais chanté dans une chorale de gospel, les 100 voix, il y a quelques années, j'avais adoré, mais bon, finalement, j'avais dû arrêter à cause de mon travail, mes études. Et voilà, ça me manque, et surtout de chanter de la musique du monde, enfin, d'autres choses que du gospel. Et en fait, bon, là, en entendant aussi, en réfléchissant, je me disais qu'il y a aussi l'écriture que j'aimerais développer, parce que, j'ai toujours adoré écrire, mais je n'ose pas et je suis bloquée. Donc, il me faudrait quelque chose qui m'aide comme un atelier. Et aussi, j'aurais besoin de technique vocale. I wanna go to a place where time has no consequences, oh yeah. This time I'm open to my prayer. I wanna go to a beautiful, beautiful, a beautiful. To a beautiful, to a beautiful, beautiful. Ah bon? Brune, le futur choriste du Swing and Soul Choir. Alix, on se connaît pas. Elle se définit comme débutante. Elle veut faire partie d'un des groupes de chant hip-hop soul R&B. Elle veut venir parmi nous pour affronter.
approfondir les bases qu'elle a acquises au cours d'une année de chorale gospel, apprendre des techniques vocales et acquérir des notions de prestation scénique avec un répertoire so lazy, I wanna be lazy, I wanna be out in the sun with no work to be done under that yawning they call the sky stretching and yawning and let the world go drifting back. Cette année, il y a un nouvel atelier pour moi qui se présente, c'est le Rhythm and Vibes Labo, atelier reggae dancehall. Donc, que tu chantes de roots ou que tu chantes du dancehall à la high octane, on est là, je gère le truc et on partage entre nous. Tu vois. On commence déjà à avoir une bête d'équipe, j'espère Omega va faire partie de l'équipe. On a la DJ aussi, on a des gars violents. C'est ouvert aussi aux débutants. Hein. C'est ouvert à tout le monde. Venez si vous aimez chanter le reggae et le raga. C'est les ateliers, c'est tous les mercredis, sauf vacances scolaires. Voilà, il y a tout de toute façon sur Facebook, la factory, tout ça. Rhythm and Vibes Labo. Il y a aussi la chorale. La chorale professionnelle, enfin à vocation, tu vois, parce qu'on débute ce délire cette année. La dernière, je dirigeais la chorale pôle passion, cette année c'est pôle professionnel. Ça s'appelle le Chœur Afropéen de Paris. Je fais les arrangements, on bosse sur des morceaux de tout style, de Beatles, des Beatles à T-Pain en passant par James Brown, tu vois. Du moment qu'on. En passant par James Brown. On fait la musique qu'on aime et on essaye de la faire groover, simplement. Donc voilà, ça c'est pour les gens qui chantent, qui ont déjà fait partie d'une chorale et compagnie, qui sont au taquet, qui veulent faire des big trucs. Fanny faisait partie la saison dernière du Swing and Soul Pôle Passion, donc avec Kateb. Et cette année, elle a pris des bonnes résolutions et elle veut en même temps faire partie du chœur pro, le chœur afropéen. Ouais. Oh! Est-ce qu'on va l'accepter? Moi j'en sais rien, hein, franchement. Et en même temps du soul power. Close your eyes, make a wish, and blow out a candlelight. Oh, tonight is just your night. À la demande de Dorea, je propose des ateliers de hip-hop roca, donc je mélange des danses caribéennes, spécifiquement les danses de Guadeloupe, avec la technique du lock-in, qui est une danse hip-hop, qui se danse essentiellement sur le plage. Donc c'est une proposition pensée très contrastée, qui est proposée aux factoristes et aux autres qui veulent vivre cette expérience. Voilà, je suis danseuse et chorégraphe. Voilà. J'écris beaucoup, très littéraire, avec une sensibilité artistique, touche à tout ou presque. Parce que quand c'est crade ou poisseux, on touche pas. Et bien entendu, j'aime chanter. Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma's hands played the tambourine so well. Grandma's hands. La Butterns Cage continue. D'ailleurs, elle même se dédouble, voire peut-être se triple, je ne sais pas, avec Mike Lubia, voilà. D'accord. Qui va renommer certainement l'atelier, mais ce sera le même concept. Voilà. Et sinon, il y a un atelier toujours avec Kyren qui s'appelle Factolab. D'accord. Alors ça consiste en travailler sur comment créer de la musique, de la chanson. Voilà. De l'écriture, de la composition. De la composition musicale, mm-hmm. Et l'alliage des deux. Et puis j'espère que de cet atelier naîtra des collaborations peut-être futures, hein, voilà, grâce à la Factory. Donc voilà, ça pourrait être des duos, des trios, des groupes, voilà, qu'on espère présenter pendant des showcases, ouais. Bien sûr, mm-hmm. Sûrement avant la Wheel of Jam. On a de la chance de t'avoir, ouais. Parce que, outre que t'es une fille super cool, mais on a souvent reparlé de toi, c'était tes chansons. Non, c'est un potentiel, hein. Et pas parce que... Mais je te goûte ton potentiel. It's easy if you try. Nowhere will I work.
Nous sommes avec nos amis Wine, donc Soan qui se présente. Salut. Chanteuse d'Id et accessoirement développeuse de l'atelier jazz à Factory qui s'appelle le Freaky, Freaky States of Jazz. Free and Freaky States of Jazz. Soir, le mardi soir. De 19h30 à 21h30. Où? Vous êtes les bienvenus. Au SMUM à Gambetta. J'avais commencé par faire un peu des chansons quand j'étais ado. J'étais déjà montée sur scène pour faire des spectacles, des choses comme ça. Mais après, c'était vraiment devenu quelque chose pour moi, juste personnel, à titre presque du journal intime. Mes chansons, mes textes, c'était comme ça. J'ai découvert le slam et là, je suis montée carrément sur scène toutes les semaines à partager. Voilà. Et c'est là, mais mon m'habille et me déshabille tout en même temps. C'est un peu comme porter une robe très transparente. Quand je chante, je suis à poil. Le slam, c'est mon striptease verbal. Tranche de vie, petite chronique, ce que je vous sers, c'est surtout mes tripes. Mes morceaux, des morceaux de moi livrés en pâture. Magnifié, fignolé, fait tout beau, sans rature. Je suis tombée slamoureuse alors. Je donne au diable mon âme si dans la vôtre mes mots résonnent. Je les slame et me saigne pour qu'ils me dépeignent. Je les clame et les sème pour qu'ils vous atteignent. Cette année, on va diriger un atelier, donc un groupe labo basé sur le beatbox. Ouais. Donc, avec Guilhem, on va essayer de faire partager ce qu'on sait, partager notre art dans la musique. Mmh. Voilà. Moi, je ne me suis pas présenté d'ailleurs. Ouais. Firebraz. Je fais partie du groupe Under Control. Je faisais partie, pour ceux qui connaissent bien le beatbox, du groupe Artifice aussi. Voilà, on est un groupe de 4 beatboxers. On est champion du monde 2009 par équipe. Et on a sorti un album de beatbox il n'y a pas longtemps, qui est le premier album de beatbox en France. D'accord. Dans les bacs. Voilà. Très bien. Ouais. Ok. Ok. Du coup, je ne me suis pas présenté non plus. Bah oui. Moi, c'est Guillaume Akaoxy. Je suis chanteur en fait à la base. Donc, chanteur dans la musique du monde et chanteur lyrique. Ouais. On a pu avoir un petit aperçu, ouais. Un petit peu, ouais. Un petit peu style un peu corse ou quoi. Ouais. Un petit mix. Ouais, c'est un peu mon délire. Ok, aussi, c'est bien. Donc, premier passage star, pas mambo. Donc, c'est facile. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Commence pied gauche devant. 1, 2, 3. 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, enfin une chose sur le côté, 1, 2, 3, 5, 6, 7, et je le prends. Sois fier de ta douce France, fille des droits de l'homme, qui dans sa course au profit méprise les hommes. De la terre d'Afrique, pillée de ressources de la terre, qui rime aujourd'hui avec elle l'humanité. C'est écrit là. La Rastamito Family au nouveau casino. Ce sera un big show. La première partie c'est Nayad. Real hip hop from Paris. Les Parisiens qui font du putain de rap, sax, DJ en même temps. C'est un délire. Et après c'est nous Rastamito. Long show, gros show. Je suis ce soir en
jam session après avoir joué avec Kater, le chanteur de Rastafari. Et voilà, les Cariatides, on y vient souvent. Il y a plein de gens sympas, il y a plein de gens talentueux, c'est un plaisir. C'est un plaisir de venir ici, merci à toi. Et tu fais partie de Rastamito depuis le début ? Depuis le début, j'ai quand même, avoir quand même le mérite d'avoir monté ce groupe. Pas tout seul. Depuis quand il existe ? Il existe depuis, ça fait 8 ans. On était au lycée quand... Vous étiez au lycée ? Ouais. On est jeunes, hein. Enfin, on a de la barbe et tout, on est jeunes. D'accord, vous êtes originaire du sud de Paris. Exactement. 91. 91 Essonne représente ici la famille. Comme disent les gens, bra. Locking plus spécifiquement, qui est une danse, danse hip-hop des années 70. He'll show you later, and then you got, of course, CD. Go ahead, I'm gonna let you. CMD, you got the Global Connections Live. Right. You got Omega Master. La mezcla fra latina, just Benz baby. Pas qu'à jouer, on est là, frérot. Paris, Panama City, la Côte d'Azur, Global Connections. Si, si. Who else do we have? Okay, we got Kaylee. Hey. Nice to meet you. Like a one day, I gotta get it on. Break it on to the nigga sing a song. Every time, yeah, the nigga wants to be. Getting rich until the nigga gets it. So gotta get it on. Même c'est Khalif, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, auteur-compositeur interplanétaire, mais les gens le savent. Bref, ce vendredi, donc Alina Tonjou, une super salle, vous verrez, les gens qui ne connaissent pas, elle est super nice cette salle. Ben, on organise ce qu'on appelle un network party, donc il va y avoir, ça va débuter, enfin, il va y avoir une évolution, il va y avoir la première partie, ce sera du showcase avec une dizaine d'artistes, dont moi, dont Yahweh, Lorca, Doggy Style, allez taper sur le net, voilà. Et donc ensuite après ça, à minuit, ça va commencer DJ. Ce sera les ambiances zouk, dancehall, hip-hop. Voilà, donc si vous avez envie de décompresser après cette dure semaine, je sais qu'on est que lundi, mais moi je vois loin. À ne pas rater. Voilà, à ne pas rater, sous aucun prétexte, pas rater. C'est ça. Je suis d'humeur macabre, allumer les bougies, c'est pas les sons pour les fluettes, c'est lec à l'hémorragie. Ouh. Quand l'état agit, bah le ghetto réagit, tu sais déjà qui je suis, ha, appelle-moi Lyrical Machine. Je vous l'avais dit, c'est pas fini, ça n'est que le commencement. Petit, on ne guérit pas, j'ai le sida avec des pansements. Le chétan est dans mon viseur, je suis sur la base de lancement. Je peux pas continuer à avancer à contre-sens, non. Mais attention à l'excès, mesdames et messieurs, l'excès vous charme pour mieux vous crever les yeux. Soyons honnêtes, la vie c'est ce que l'on a de plus précieux. Mais on s'en rappelle seulement quand nos proches taillent vers les cieux. Eh les mecs, je crois que c'est la merde. On lâche des pédophiles et on enferme des dealers de zèbre. Des petites chez la pète se prennent pour un game. Donc je pète la baguette avec laquelle ils nous mènent. Just bitch. We miss you, been looking for your friend. Yeah. Running steady, I never called you again.
entre 40 et 60 euros, c'est pas volé quoi. Voilà. Donc voilà, l'indépendance de la musique, c'est l'autofinancement, c'est la solidarité, c'est la subvention publique. Voilà, nous on est dans la subvention publique. Et on va pas demander des sous à l'État parce que très souvent ils n'en donneront pas, il faut faire des dossiers, c'est très compliqué. Donc on demande à nos congénères, à nos frères humains qui aiment la musique. Et voilà, on fonctionne comme ça. Minimum 3 euros. Minimum 3 euros. On va déconner donc. C'est de la bombe. Mortel. Et toi aussi, t'es une bombe. C'est gentil, mais ça n'a rien à voir avec la factory. C'est non, mais là, on va pas passer à la télé. Hein. Non, mais franchement, c'est la fois que je t'ai vu d'ailleurs, ça fait quand même bien. Ouais, les connexions afro-péennes. Voilà, et c'était ça, génial. C'est toujours. C'était du bonheur. Et c'est bien de préciser que grâce à cet événement-là, il y a quand même encore plus de monde qui nous rejoignent. Voilà, et j'espère que ça va continuer. J'en profite pour émettre un petit mot pour l'atelier de danse, hein, et l'atelier beatbox. Voilà, il y a encore des places, donc n'hésitez pas.